C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Kaspersky TDSS Killer en version 3.1.0.28. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Le programme est une version portable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation. Il suffit de lancer l'exécutable. Alors, oui. Alors, la licence, j'accepte. KSN Statement, j'accepte. Et nous voici dans le programme. Donc, le programme détecte et enlève les rootkits. Les rootkits, ce sont des malwares qui s'installent dans votre ordinateur et qui donnent accès aux pirates en mode administrateur à votre ordinateur, à votre insu. Donc, vous avez change paramètres. Donc, vous avez des options. Je vous conseille de tout cocher. Si vous cochez l'OADN module, il faudra redémarrer votre ordinateur. Alors, moi, je ne vais pas le faire. OK. Et donc, Start Scan. Pour scanner votre ordinateur. Alors ça va aller assez vite parce que ma machine virtuelle est assez vide. Il n'y a pas grand chose dessus. Et donc voilà, en environ 50 secondes, il va avoir terminé. Et voilà, il n'a rien trouvé, il n'a pas eu besoin de neutraliser quoi que ce soit, ni de mettre en quarantaine pour mon ordinateur. Ici, vous avez le report, donc l'analyse sous forme de fichier. Analyse que vous retrouvez dans votre ordinateur, dans votre C2. Et tout simplement à la racine du C2. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous !